vin, les célébrations ne manquent pas, dans la famille royale britannique. Et lorsque ce n'est pas un mariage princier ou un baptême, ce sont les anniversaires des membres de la couronne qui font l'actualité. Cette semaine, ce fut au tour de Camilla Parker-Bowles, la compagne du prince Charles, de souffler ses 71 bougies. C'est au détour d'un voyage officiel sur l'une des îles Scilly, située en mer Celtique, que le couple s'est vu réserver une charmante surprise de la part des habitants de Saint-Marie. Un gâteau d'anniversaire a en effet été préparé spécialement pour l'occasion, à l'attention de la seconde épouse du prince héritier de la couronne. La fête s'est donc déroulée en petit comité dans une ambiance discrète, loin des banquets opulents. Mais surtout, loin des objectifs de la presse people, davantage braqués sur ses beaux-fils et belles-filles et leurs enfants. À savoir le prince William et Kate Middleton, ainsi que le prince Harry et Meghan Markle. Quoi qu'il en soit, ce beau cadeau de la part des citoyens montre que Camilla Parker-Bowles a su remonter dans l'estime des Britanniques, alors qu'elle fut longtemps détestée pour avoir détourné le prince Charles de l'inoubliable Lady Diana, mère de William et de Harry.